C'était lors d'une balade, d'une prospection sur le territoire des Trois-Monts. On a découvert sur le site des éléments qui nous ont un petit peu interpellés. La première chose qu'on a trouvée, c'est un bout de tuile gallo-romaine. Et la question, c'est qu'est-ce que fait une tuile gallo-romaine sur un site perché à 600 mètres d'altitude où il n'y a absolument rien. Le mont Châtel, c'est une colline du Revermont qui culmine à 600 mètres d'altitude avec un large panorama ouvert sur toute la plaine de Bresse. On est à 18 km au nord-est de la première ville antique du Haut Moyen-Âge de cette époque. Ce site dit des trois collines avec le mont Mion au nord, le mont Châtel au centre et Montfort au sud, et qui sont d'ailleurs à l'origine de plusieurs légendes, dont celle de Gargantua. Alors la période mérovingienne, c'est celle qui succède à l'Empire romain, donc, qui tombe sous la pression des invasions barbares de l'Est et du Nord, germaniques. C'est une période qui était largement dominée par le funéraire, la fouille des tombes, puisque elles sont aisément identifiables par leur architecture, par le mobilier qu'elles contiennent, les dépôts funéraires. Le mont Châtel est une création de la seconde moitié du VIe siècle et on pense que l'habitat est abandonné dans le courant du VIIIe siècle, mais qu'on continue malgré tout à inhumer encore ponctuellement dans ces églises, tout simplement parce qu'on a encore des proches et les églises perdurent un petit peu plus longtemps avant la ruine totale de l'établissement. Étudier cet établissement de hauteur nécessite de prendre en compte tout l'aspect du peuplement alentour et donc toute la plaine, les axes de circulation, jusqu'à l'autre pôle important, l'agglomération, le bourg de Broux, Bourg-en-Bresse. Sur ce chantier, David m'a demandé de travailler sur l'environnement du site, c'est-à-dire de réinsérer le site dans un espace. Pourquoi ce site là-haut et dans quel contexte ? Les premières informations, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que pour cette période-là, on connaît très très mal l'environnement. En 2016, j'ai travaillé sur de la documentation médiévale, la fin du Moyen-Âge, 15e, exactement en 1419. Donc c'est comme ça que, par exemple, j'ai pu me rendre compte que le site du Mont Châtel, pour l'instant, dans toutes ces sources-là, n'est jamais cité. Donc il a été totalement oublié, en tout cas omis de la documentation. Donc là, je travaille sur le cadastre de la commune de Pressia qui a été dressé en 1824. C'est un secteur qui est totalement occupé, hein, que ce soit par des bois communaux ou des pâtures communales, et puis une parcellisation de l'espace qui est déjà bien établie autour d'axes de circulation comme le chemin du Creusil. Quand on compare avec la documentation de 1419, tout de suite on se rend compte que tout le secteur ici de la Combe des Marchères, donc le bas du chemin des Creusils, le versant nord, on va dire, du Mont Châtel, était occupé essentiellement par des pâtures et des broussailles et des bois. Et quelques petites parcelles, probablement de culture temporaire. Donc on est sur une autre dynamique d'exploitation de l'espace. Avec le site qui est là, et ce qui est très intéressant, c'est que pour accéder à la pâture, on a conservé cet espace-là, pour que les bêtes montent au pâturage sans traverser les champs cultivés. Et en fait, c'est probablement le passage qui a été respecté, en quelque sorte, fossilisé par l'usage d'accès au Mont Châtel. Sa position, qui est une position dominante, qui est une position extrêmement visible, mais pas de partout, essentiellement de la plaine. Donc ça pose la question aussi de la représentation symbolique dans l'espace de cet objet. Par contre, toutes les circulations s'effectuaient en devant, vers l'ouest du Mont Châtel. Bien sûr, on avait une liaison entre Cuisia et Pressia. Et puis on avait toutes les circulations de la plaine, notamment c'est la route qui partait de Lyon, passait par Bourg et Lons et montait jusqu'à Besançon, qui est une très très ancienne voie.
On se trouve dans le cœur de l'église. Vraiment dans le cœur, là c'est le pied central de l'hôtel. C'est la fenêtre, là où les fenêtres, au centre du cœur, qui ont versé, quoi. Voilà. Voilà, donc après on démonte et ça partira en labo et il y a des gens qui vont vraiment les observer, les redessiner. Et ça nous donnera en fait l'architecture de la fenêtre. Et moi j'espère trouver dessous des bouts de vitraux, de vitrail, voilà, du verre, j'en ai déjà trouvé un petit peu, mais pas assez à mon goût. L'occupation de hauteur du Mont-Châtel s'étend sur une emprise d'un hectare deux, une terrasse sommitale qui accueille deux grands bâtiments, deux églises, avec tout autour des multiples aménagements et des habitats en pierre et en terre et bois. Ce qui est tout à fait particulier, c'est vraiment l'implantation de ces deux églises, deux vastes édifices construits en pierre à toiture de tuiles, qui nous étonnent un petit peu. Une aire funéraire près d'une église, une église avec elle-même des tombes à l'intérieur, dans l'ensemble de l'édifice. La présence de ces deux églises pose bon nombre de questions, puisqu'il s'agit encore à l'heure actuelle un des très rares sites en France à livrer deux églises de la période mérovingienne. Ce sont des édifices que l'on a l'habitude de rencontrer en plaine, dans des agglomérations, mais absolument pas sur des points hauts. Elles ouvrent toute une série de questions. Quel était leur rôle ? Puisqu'on a une église funéraire, une église pour le culte avec son autel, elle suppose la présence d'un prêtre, mais on n'est pas pour autant dans le cadre d'une paroisse, c'est encore trop tôt. La découverte des sarcophages a été un moment clé de la campagne de l'année dernière, d'autant que ces sarcophages, en tout cas pour l'un d'eux, est intact avec son couvercle, n'a jamais été ouvert. Et leur présence témoigne aussi de personnages importants inhumés dans cette église. On est sur une fouille de sarcophage qui est située au cœur de l'église. Et donc, dans le cadre d'une fouille de sépulture, le but, ça va être de mettre en valeur les os afin d'avoir une lecture complète à l'issue de cette fouille, tout en ne faisant pas bouger les os. Ici, on peut voir qu'il y a un individu qui est en connexion, c'est-à-dire qui s'est décomposé tel quel et une partie de son corps n'a pas été bougée après. Et ici également, on voit qu'on a un individu périnatal, c'est-à-dire qui est aux alentours du moment de la naissance. L'étape fondamentale, c'est une fouille fine de l'ensemble des pièces anatomiques. Et à partir de ces différents éléments qui sont liés en fait à la décomposition du corps dans la terre, on va pouvoir essayer de caractériser l'espace de décomposition. Et ça va nous donner des indices en fait sur la présence éventuelle, par exemple, d'une enveloppe souple, périssable, linceul, vêtements, mais également d'un coffrage, coffre en bois, aménagement en pierre. Tous ces éléments vont nous permettre, in fine, d'étudier les pratiques funéraires. Là, on a un exemple de maladie qu'on peut observer. Donc là, évidemment, le rachis est sale, il faudrait le laver, mais vous voyez ici, il y a des ponts osseux qu'on retrouve et qui correspondent en fait à ce qu'on appelle l'hyperostose vertébrale ankylosante, la maladie forestier. Donc c'est une maladie métabolique, d'origine métabolique, qui touche le sujet âgé. Donc déjà on sait qu'il est âgé. Pas mal, ouais. Au moins 60 ans. Nous sommes au laboratoire d'anatomie de l'Université de Besançon, à l'UFR de médecine. Et donc là, nous sommes dans la salle de dissection. Alors, dans un premier temps, le fait d'avoir étalé le squelette nous permet d'appréhender ce qu'on avait un peu déjà vu sur le terrain,
le profil morphologique de l'individu. Donc a priori, il est plutôt gracile, extrêmement gracile. Donc ouverture de l'échancrure sciatique, on a une forme particulière assez ouverte de la surface auriculaire. Femme donc, c'est bien. Donc c'est plutôt bien. Féminin. C'est plutôt donc, féminin. Donc le second individu est un individu féminin. D'accord. Donc on a une tombe double, homme-femme. Du coup, l'hypothèse d'association de deux individus proches, un homme et une femme, éventuellement un couple. Tout à fait. Est plausible par cette détermination du Tout sexe. À fait, elle est plausible. Ouais. Et après, au niveau de l'âge, alors ? La surface auriculaire, elle est assez nette, quelques porosités. On a quand même globalement un individu autour de la quarantaine, à peu près autour de la quarantaine. On est sur un cimetière qui n'est pas un cimetière de village, probablement pas. On n'a pas toute la communauté des vivants. On a probablement un site où il y a une sélection des défunts. Et donc tout ça constitue autant de questionnements et d'intérêts. Là, c'est intéressant parce qu'on voit bien les flammes de la structure de combustion. Et dans l'angle de cet habitat, on a ici une structure circulaire, peut-être un four. On a les vestiges de construction qui sont cette fois-ci des bâtiments d'habitation ou d'activités diverses, mais on n'est plus du tout dans les techniques de construction des deux églises. S'agit-il d'un grand domaine, d'un riche propriétaire terrien, comme le laissent entrevoir quelques textes de Grégoire de Tours ou de Sidoine Apollinaire pour la partie sud de la France, c'est une possibilité. De fouille en fouille, si l'on résout tout un certain nombre de questions propres à l'établissement, comme des activités artisanales qui se développent à l'intérieur, le traitement des céréales, le travail de l'os, on ouvre aussi d'autres questions qui vont ouvrir d'autres secteurs de fouille pour tenter d'y répondre. On réalise plusieurs sessions de fouilles tout au long de l'année avec des étudiants, avec des bénévoles locaux, avec des gens intéressés par ce patrimoine à différents degrés. Le site fait l'objet d'un programme pluriannuel qui s'étend sur 3 ans avec des objectifs bien précis. L'étude des systèmes défensifs, l'étude des édifices religieux et des tombes, l'étude des habitats. On est très content d'avoir découvert ce site-là, parce que du coup, ça met en exergue un territoire et ça mobilise un territoire, ça mobilise des bénévoles, ça mobilise des associations, ça a mobilisé des collectivités, ça a mobilisé des musées. Aujourd'hui, on a un territoire qui, grâce à ce Montchâtel, a commencé à une démarche d'existence, une démarche culturelle. On écrit l'histoire du département et du Revermont, et ça, on le trouve nulle part ailleurs qu'ici. Ça va au-delà du site du Montchâtel lui-même. Ça permet de faire déjà un état des lieux des connaissances archéologiques sur le coin, et puis de comprendre aussi les dynamiques dans le temps, sur le très long terme, pratiquement sur 2000 ans. Le Montchâtel est toujours existant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais disparu, en fait. Là, il réémerge sous une nouvelle forme. C'est une belle opportunité d'écrire à la fois l'histoire locale autour du Montchâtel, mais aussi de participer à l'écriture d'une histoire beaucoup plus globale sur le plan national. J'ai hâte, c'est d'avoir mon corpus d'individus pour justement pouvoir savoir à quoi ça correspond. Qui sont ces gens? Comment ils ont vécu? D'où éventuellement proviennent-ils? On a eu des traces de prélèvement d'os dans certaines sépultures. Pourquoi a-t-on ou pas au Montchâtel pris des os pour constituer des reliques? Voilà une des grandes questions auxquelles on va tenter de répondre l'année prochaine.